Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici les titres de l'actualité. Rêve brisé pour Mohamed Gibran Chattarou, positif à la Covid-19. Ce collégien de 16 ans a rendu l'âme à l'hôpital ENT alors qu'il était doublement vacciné au Pfizer. L'adolescent voulait prendre part aux examens du School Certificate en novembre prochain. Témoignage dans ce journal. Il se porte bien après un passage en réanimation où il a eu un doigt de la main sectionné. Le petit Miles Clément a finalement pu quitter l'hôpital du Nord au plus grand bonheur de sa famille. Shakil Mohamed n'a pas parlé au nom du parti travailliste. Réaction de Paul Béranger après les propos du député rouge dans l'émission Au cœur de l'info hier. L'avocat parlementaire avait affirmé qu'il ne siégera jamais au sein du même conseil des ministres que Rochi Badin. À la une également, le Bleu de Nîmes a jeté l'ancre à Perros-Banos ce samedi. Moment d'émotion pour la Chagossienne Suzelle Baptiste. Un voyage qui n'est pas au goût du groupe Chagossian Voices, qui parle d'un gaspillage de fonds publics. L'héritage musical de Maurice passe à une étape supérieure le 8 février, décrété journée nationale du Bhojpuri Gamat, alors que le 21 février, la journée nationale du Ségué sera célébrée en hommage à Kaya. Voilà pour les titres. Bonsoir. Il voulait prendre part aux examens du School Certificate en novembre prochain, mais le destin en a décidé autrement. Positif à la Covid-19, Mohamed Gibran Chattarou, 16 ans, a rendu l'âme à l'hôpital ENT ce matin. Ce collégien du Sir Abdul Razak Mohamed State Secondary School à Port-Louis était sous respirateur artificiel depuis hier. Cet habitant de la rue Pagoda, pleine verte, était doublement vacciné au Pfizer. Chez les Chattarou, c'est la consternation. Oui, Gibran Ali Chattarou, il y a un enfant de 17 ans, très très jeune, et c'est full of life. Novembre, il est fini vacciné pour la deuxième fois. Et il était bien, bien, il y a deux semaines, moi, je suis venu à la calme, moi, nous avons lit, il était un enfant bien fit, bien actif, bien bons enfants, mais ça ne finit pas si vite, nous ne connaissons même comment il finit quitte nous l'inaler. Il est bien malheureux, l'école a commencé. Semaine dernière, il est sur l'école deux jours. Et il était bien, bien, bien. Au fait, il y a des enfants qui ont peiné à maman. Ils ont fait des soeurs ensemble. Et il y a des soeurs plus petits qu'il y a. Ils ont fait des soeurs. Tout ce qu'il y a pour faire pour eux. Il y a des enfants extrêmement bien. Mais ça ne finit pas si vite, nous-mêmes, nous ne connaissons pas. C'est un choc pour la famille. Un choc pour la famille qui ne connaît pas, nous ne pas acquise X, Y ou Z, mais. Pour nous, c'est un grand père. Pour nous ne connaissons pas faute la cotine vini, mais pour nous, c'est un grand père. Un enfant dans nos familles, c'est un grand père pour nous. Il est bien chagrinant. Conseil que je peux donner pour les autres parents, les enfants, tant capable de prendre beaucoup de précautions, get the bien. Mais comment ça va? Non, all of a sudden, c'est juste qui, mercredi dans la nuit, les petits positifs, les enfants là, il y a quelques jours, mercredi dans la nuit, il fait une crise. Première fois, jamais il s'est ça. Bon, ce papa finit faire tout le nécessaire, finit prendre lit, finit faire transporter l'hôpital du tout. Et tu es correct, ben, on a donné ce soin. Et ce n'est que hier matin, nous finissons un call qui les enfants là, ils ont un coma extrême qui besoin transporter à l'hôpital ENT. 2 ans après la mort de son épouse, le malheur frappe à nouveau cette famille confinée au Tchad, le père de l'adolescent qui affirme que son fils ne souffrait d'aucune comorbidité. Non, il n'est pas malade du tout. Normalement, il fait une crise épileptique. Est-ce qu'avant, il tient sa malade là? Non, jamais. Il va faire se vacciner en novembre, décembre. Oui, tous les deux ont fini faire. Par exemple. Qui connaît les types aller? Abdul Razak Mohamed. Ça veut dire lundi, mardi, il est allé. Après mardi, il n'est pas allé, mercredi, il n'est pas allé.
À Rodrigue, les cas de contamination ne faiblissent pas. Lille compte 5358 cas actifs de Covid-19. 359 cas additionnels ont été détectés ces dernières 24 heures. Le nombre de personnes guéries s'élève à 1227. Et sachez que pour prêter main forte aux autorités rodriguaises, le ministère de la Santé dépêche le Dornier dans l'île avec des équipements et des médicaments. Plusieurs médecins et infirmiers se rendront dans l'île ce week-end. Une adolescente de 17 ans allègue avoir été forcée à se prostituer par un homme de 65 ans dans une déposition à la police. Cette habitante de Riambel relate qu'elle a accouché d'un enfant l'année dernière et n'avait pas de toit. C'est alors qu'elle a accepté d'être hébergée par un sexagénaire de sa localité. Cependant, l'homme lui aurait demandé de payer son loyer et sa nourriture en service sexuel. Le 7 février dernier, la fille du sexagénaire l'aurait agressée alors qu'elle réclamait son dû pour ses services. Dis-moi de cela, je suis enceinte, mais mon bébé prématurément. Mais dans l'époque, je suis en construction. De son côté, la fille du sexagénaire rejette ces allégations. Au fait, la fois dernière, il y a un bébé qui est venu, il y a un problème avec sa maman. Moi, je ne sais pas si il y a une place pour lui rester. Il est venu, il y a un bébé, il reste. Moi, je ne m'occupe pas de ce bébé, nous sommes au contraire, nous sommes tous, moi, je m'en sers, nous venons, nous nous occupons de ce bébé. Ben, la fois dernière, sa maman est venue en discussion, elle est venue, elle est là. À chaque fois qu'il ne m'a pas gagné pension, je harcèle moi pas, je téléphone moi pas, je dis à moi pas, venez dans une autre telle place, venez dans une autre casse, moi pas, il n'a pas parlé dans une autre. Et là, nous prenons téléphone moi pas, nous gardons avec nous, nous envoyons un message, chaque fois nous envoyons un message. Dans une autre zone, qui place nous besoin de toi, c'est pas qui était. Je viens là, 2h du matin, je viens me serrer, je viens de vous demander de trouver 2h du matin, je viens de vous demander de venir de casse moi pas. Je dis à moi pas d'une casse pension. Non, moi pas de faux à aucun moment. Même si vous venez, vous êtes habitué à dire que tout le monde qui vous trouve, je suis un vieux monde âgé, pour 200, 300, puis vous êtes l'école. Le petit Miles Clément a finalement pu quitter l'hôpital du Nord hier après un passage en réanimation où il a eu un doigt de la main sectionné. Le nourrisson se porte bien, au plus grand bonheur de sa famille. Vous le savez, l'affaire a tout de suite été référée au Medical Negligence Standing Committee pour enquête
Entre-temps, un nursing officer a été suspendu de ses fonctions avec effet immédiat à Trobiche, chez les Clément. La mère du petit Miles, Ashvina, espère que l'enquête sera bouclée au plus vite. Les propos de Shakil Mohamed ne sont pas ceux du Parti travailliste. Réaction de Paul Béranger après la déclaration du député rouge lors de l'émission Au cœur de l'info hier après-midi. Shakil Mohamed avait affirmé qu'il ne siégera jamais au sein du même conseil des ministres que Roshi Bada, leader du Reform Party. Le leader du MMM soutient qu'une deuxième rencontre avec Navid Ramgoolam est prévue prochainement, dépendant de l'état de santé du leader des Rouges. Shakil Mohamed, pas plus que je n'en parle travailliste. L'idée, c'est qu'il y a envie. Nous ne connaissons pas de travailliste. Nous connaissons Navin Ramgoolam, nous connaissons Office Pérez. Comme on dit, nous pouvons rejoindre Navin Ramgoolam aussitôt qu'il se la santé permet de nous gagner l'occasion de progresser à quelle vitesse, etc. Mais franchement, nous ne prenons pas en compte ce qu'il Shakil Mohamed dit. C'est Jenny Adebiro qui a joué aux abonnés absents lors des réunions de la commission des femmes du MMM. Réplique de Christelle Legrand, la secrétaire de l'aile féminine, en conférence de presse cet après-midi. Tout en se disant attristée par ce départ, elle affirme que c'est Jenny Adebiro qui n'a pas souhaité reprendre ses fonctions de présidente de l'aile féminine. À partir de 2021, il un petit peu plus prend contact, mais quand même ça, il n'a pas participé à aucune réunion. Mais il a tout mal preuve sur portable, tout mal message qu'il m'a envoyé, qu'il ne répond pas, il n'est pas pour venir. Mais malgré ça, je continue à envoyer des messages. Et pendant ces 2 ans qu'il n'est pas là, l'aile féminine continue de travailler. Nous avons un groupe très soudé. Et nous finissons de donner aussi le soutien qu'il a besoin pendant ce moment qu'il a un gros problème familial. Que ce soit l'aile féminine ou le parti MMM, nous finissons de donner ce soutien-là. Même moi, personnellement, plusieurs fois, je suis en contact avec lui. Que je finis d'aider, je me finis d'encourager. Même pendant ce moment qu'il peut passer la cour, que ce soit tous mes camarades qui sont présents aujourd'hui, chacun de nous tient un contact avec lui, soit par un message, soit par le téléphone. Et Jenny, pour nous, vraiment, aujourd'hui, il est très triste et très blessant. Surtout quand hier ou avant-hier, il finit de cette émission et il fait sa conférence de presse-là, qui finit blesse nous beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le même scénario se répète sur l'échiquier politique. Affirmation d'Ashok Soubron face à la presse cet après-midi. Le porte-parole de Résistance et Qu'Alternative commentait les récentes démissions et adhésions des politiciens. Ashok Soubron déplore que les partis traditionnels ne proposent aucune nouvelle vision. Je me trouve côté de l'opposition, l'IP est toujours miné, hein. Et je me trouve qui, non, à ce moment, nous persister. Ce qui nous capable appelle dans parmi une partie traditionnelle, une valse traditionnelle. Écoute, soit un politicien puissance parti, soit un politicien puissance partenaire. C'est ce qui nous peut trouver à ce stade-là. Je trouve toute qualité de démission, adhésion, toute qualité nouveau l'alliance qui peut négocier, soit sans parti, soit sans l'alliance, et nous peut tourner le cycle qui nous trouvait, nous avons dit depuis les derniers 30 ans, ça cycle, comment dire, cassé, rangé, sans parti, sans couleur, en cours de route. Et ça a démontré qu'il y a une partie politique traditionnelle, n'est plus représente une vision différente, je tout représente une même vision, et souvent une vision statu quo. La suite de ce journal après la page publicitaire. Ikari Maurice est une société spécialisée dans l'esthétique automobile.
Nous mettons à votre disposition une équipe formée avec plusieurs années d'expérience au chevet de votre véhicule. Pour tous vos besoins en céramique, coating, polissage, detailing, suppression de défauts, pose de paint protection film PPF, vitres teintées, ainsi que les astuces et conseils pour personnaliser ou entretenir votre véhicule, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous venez d'acheter un véhicule neuf, que vous voulez protéger, rénover un véhicule que vous venez d'acheter, préparer un véhicule que vous devez revendre, nos prestations vous impressionneront. Contactez-nous sur le 5 250 70 15, 5 250 70 15. Nous tout connaît qui ban mauricien peut souffrir avec la montée des prix de l'essence, diesel, servicing, etc. etc. Mais si Modiao qui ouène une solution. HHO Carbon Cleaning Service. Ce service impeccable. Il décarbonise ou moteur, catalyse l'échappement au véhicule. Un seul coup sans ou démonte non rien et li pas bim ou moteur. Et pour tout type de véhicule, moto, loto, van, camion, bus, JCB, forklift, fin fait sa service là avec 200% satisfaction. Pas oublier qu'au peine à carbone de moteur catalysé et l'échappement, comment l'auto neuf se performance top. Consomme moins l'essence, pièces de rechange, pas casser vite, pas border l'huile moteur et réduire pollution. Qui ou piatan, top pas top. Pli bonheur ou al faire sa HHO Carbon Cleaning Service là ou sorti gagnant. Téléphone le 5 755 6188 ou check page Facebook Carbon Cleaning Services Mauritius. Je vous le disais au sommaire, le Bleu de Nîmes a jeté l'ancre à Perros-Banos ce samedi. Des Chagossiens n'ont pu contenir leurs émotions, affrétées par le gouvernement mauricien. Vous le savez, le Bleu de Nîmes, yacht de luxe, entreprend un voyage de 15 jours dans l'archipel des Chagos. Ce voyage scientifique a surtout une portée historique et diplomatique. Ashnanot Chedi. Des cris de joie, des applaudissements, des larmes, du champagne aussi, mais surtout beaucoup de photos pour immortaliser ce moment historique. Sur Twitter, l'avocat international Philippe Sands a posté une photo de l'Isby Élysée qui fait partie du voyage. La Chagossienne née en 1953 sur l'île du coin à Perros-Banos était parmi les habitants de l'archipel qui avait été forcé à l'exil par les Britanniques. En l'espace d'une semaine, ses proches et l'ensemble de la population des îles habitables ont emballé quelques malles en bois contenant des provisions, roulé leurs matelas et se sont embarqués sur leur nord-avers, qualifié à l'époque de bateau de la honte. Le hasard fait bien les choses. 49 ans plus tard, c'est à bord du paquebot de luxe Bleu de Nîmes qu'elle y retourne avec dignité et respect. Tout comme Olivier Bancoult, Suzelle Baptiste et Rosemonde Bertin qui se rappellent avec tristesse que les officiers anglais leur avaient dit que leur famille ne serait jamais autorisée à revenir vivre sur les territoires britanniques nouvellement rebaptisés. Après l'atoll de Perros-Banos, la délégation de 25 personnes dirigée par le diplomate mauricien Jack Dishkunjol mettra le cap sur Salomon et se rendra à Blenheim Reef pour l'étude scientifique. Les Chagos, vous le savez, surtout les Diego Garcia, sont au centre d'un conflit qui dure depuis des décennies. La Cour internationale de justice de la Haye a jugé il y a 3 ans que le Royaume-Uni devait céder les îles à Maurice et la résolution avait été adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies. Mais la Grande-Bretagne et les États-Unis refusent toujours de céder.
Un voyage qui n'est pas au goût du groupe Chago Ocean Voices, qui parle d'un gaspillage de fonds publics. Vous le savez, cette expédition, plus précisément à Blenheim Reef, coûte environ 1 million d'euros, chiffre avancé par le ministre des Affaires étrangères, Alain Ganou, hier face à la presse. Selon Jean-François Nélan, membre de Chago Ocean Voices, l'argent aurait pu être utilisé pour aider les Chagossiens en difficulté, surtout après le passage du cyclone Batsirai. Soi-disant, un survey scientifique qui pourra le faire. Mais ce bateau-là, n'est pas un bateau qui n'est pas équipé pour sa purpose-là. C'est un luxury yacht. Côté un jacuzzi, là, un salle cinéma, un ce banjo et billard. N'est pas un bateau qui peut faire scientifique, comme un gouvernement peut dire. Et qui ça scientifique qui n'a l'eau là-là? Il n'y a aucune transparence, ce qui gouvernement Maurice. Et ça montrait encore qu'il fait majorité communauté sagochien, je peine confiance dans le gouvernement Maurice et CRG qui est présidé par Olivier Bancoul. Tout à fait autre chose à présent. Au coucher du soleil, hier, le ciel était de couleur rose, voire rougeâtre. D'ailleurs, de nombreuses photos de ce phénomène ont été partagées sur les réseaux sociaux. Un phénomène normal, explique la station météo de Vakua. Selon le prévisionniste Vimal Mangal, des nuages composés de cristaux de glace qui circulent sur notre région, ainsi que des gaz provenant de l'éruption volcanique aux îles Tonga, survenue le 15 janvier 2022, sont à l'origine de ce phénomène. Nous tenons un nuage du type cirrus qui est présent hier, d'après mon observation qui nous est née à Plaisance et même à Vakua. Donc, ce nuage du type cirrus là, c'est plutôt un cristaux de glace qui agit comme un miroir, donc éventuellement, je vais faire une réfraction de la lumière du soleil. Maintenant, quand nous guettons un petit peu un aérosol qui est présent dans l'atmosphère, donc Maurice, ne nous a pas oublié qu'il nous trouve dans l'océan Indien, tout autour, nous sommes dans la mer, donc nous avons aérosol, surtout un cristaux de sel qui est présent dans l'atmosphère. Et aussi, ajouté à cela, nous avons aussi un gaz sulfurique, le reste du volcan de Tonga qui est présent, qui d'ailleurs circule tout au long du globe. Alors, si nous ajoutons tout ça ensemble, alors éventuellement, les accentuer un petit peu sa réfraction qui nous gagnait au coucher de soleil ou bien au lever de soleil. L'héritage musical de Maurice passe à une étape supérieure. Le 8 février a été décrétée la journée nationale du Bhojpuri Gamat, ce en mémoire de feu Sona Noyan, alias Richon Noyan. Cette journée sera célébrée à partir de 2023, alors que le 21 février est désormais la journée nationale du Ségué, et cela en mémoire de feu Joseph Reginald Topiz, plus connu comme Kaya, décision avalisée hier par le Conseil des ministres. L'objectif est d'assurer la pérennité de Bhojpuri Gamat et du Ségué, explique le ministre des Arts et du Patrimoine culturel, Avinash Tilok. Il est également important qu'au niveau national aujourd'hui, qui nous capable, nous donne même commémoration et nous capable célébrer un type de musique qui quand même fait partie, comme on me dit, de sa cultural landscape mauricien. Avec la décision qui nous honore, même tribun, un artiste qui contribue grandement dans la culture et l'art, pour nous, c'est important. Et en même temps, il traduit l'intention pour qu'il nous capable préserver, promouvoir et sauvegarder, par exemple, là, le Ségué et d'autre part, le Bhojpuri Gamat, à travers la commémoration de même journée nationale, telle que le Conseil des ministres a décrété. Si vous êtes fan de la saga Uncharted, Nathan Drake est de retour, non pas dans un jeu vidéo signé Naughty Dog, mais au cinéma dans Uncharted, long métrage de Ruben Fleischer, qui sera en salle le 16 février 2022. Après 4 opus à succès sur PlayStation, Uncharted, franchise vidéoludique développée par Naughty Dog, débarque au cinéma. Retrouvez donc Tom Holland dans la peau du jeune Nathan Drake, partant à l'aventure à la recherche d'un trésor perdu. Pendant ses recherches, il fera pour la toute première fois la rencontre de Sully, incarné par Mark Wahlberg, un trailer qui nous a aussi dévoilé des scènes d'action tout droit issues du jeu vidéo. On pense surtout à la scène de l'avion cargo, exacte copie de celle que l'on retrouve dans le troisième opus vidéoludique que la franchise pour les connaisseurs. Voilà, c'est la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à tous.
Wi-Fi Plus ou nouveau brossier digital. Top top promo, belle belle seul, exoli joli cadeau, Zispou. Depuis ou portable ou tablette ou soit ou ordinateur, nectap www.iflip.mu. En seule l'adresse www.iflip.mu. IFI Plus, lien service, le défi Media Group. IFI Plus, where tradition meets technology. Where tradition meets technology.